Donc, on m'a demandé de parler de courriel et de preuves. C'est un sujet duquel je pense que je pourrais parler pendant 2 semaines. Là. On pense à l'intégrité, les notions de transfert, d'impression, la meilleure preuve, le fonctionnement des courriels, la réception, l'envoi, la production au dossier de la cour, la communication aux autres parties, la présentation de la preuve devant la cour. Je vais essayer de faire un survol pour aborder divers de ces sujet-là. Et juste avant, je veux faire un clin d'œil à Vincent qui se plaignait tout à l'heure de son inbox. Et par curiosité, je suis allé voir mon inbox pour réaliser que j'avais 2767 items, dont 334 non lus et une catastrophe de 3057 reminders. C'est pas nécessairement en lien avec l'aspect preuve, mais une chose que ça démontre, c'est que l'information s'empile et ce à quoi l'avocat ne s'intéresse pas encore, c'est que ça, c'est dans mon inbox. Sur les serveurs, il peut en avoir davantage. Sur mon ordinateur, il peut en avoir encore davantage. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des copies de sauvegarde, des fameux backups qui sont faits selon les organisations de façon quotidienne, hebdomadaire, etc. Mais nous, le maximum qu'on peut avoir, c'est 240 mails. Donc, juste ton espace libre, là, c'est 3 fois notre possibilité. Et c'est la réalité de beaucoup d'organisations qui mettent en place des limites, mais ces limites-là sont rarement hermétiques. Et nous aussi, on a des limites. En fait, moi, je ne suis pas supposé de conserver mes courriels plus de 30 jours. En théorie, ils sont supposés de s'effacer automatiquement. Et comme vous pouvez le constater, lorsqu'on est capable de les faire fouiner dans un ordinateur, et c'est pour ça que j'aime pas les Mac, on est capable de modifier un paquet de règles qui autrement s'appliqueraient à notre ordinateur. Alors, je me lance dans le vif du sujet. D'abord, il y a un changement de paradigme pour moi comme plaideur à l'ère du courriel. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé à toute fin pratique ce qui était l'élément numéro 1 des procès, à savoir le témoignage, par un témoignage écrit. Maintenant, on a beaucoup moins de témoins qui sont entendus devant les tribunaux et on produit en alias une quantité astronomique de courriels pour faire un sommaire de l'histoire qu'historiquement, c'était un témoin qui aurait fait. Une des problématiques que je vois à ça, c'est que, bon, évidemment, on se retrouve avec un témoignage écrit, mais on est surtout soumis à des règles différentes et dans un contexte tout à fait différent. Pour le témoignage, il y a un certain décorum. On peut penser au fait, bon, d'abord que c'est généralement en personne que le témoignage va avoir lieu, que la personne va être assermentée. Et d'un point de vue procédural, il y a aussi un nombre de règles qui s'attachent au témoignage, à savoir d'abord, il doit y avoir des allégations dans les procédures, dans un deuxième temps, on a le droit d'interroger, de contre-interroger. Alors que lorsqu'on est mis face à des courriels, par souci d'économie de temps généralement, en disant c'est bien plus facile de juste lire 250 courriels que d'écouter quelqu'un pendant 2 jours et demi nous en parler, on pense qu'on atteint le même résultat et ce n'est pas le cas. L'interrogatoire permet de contextualiser. Le courriel le permet rarement parce qu'on n'a pas des chaînes complètes, parce qu'on n'a pas les faits qui entourent l'envoi ou la réception de ces courriels-là. Et pourtant, on traite le courriel comme un simple écrit, comme l'aurait été à une autre époque une lettre. Et pour moi, les règles à l'heure actuelle font défaut. Font défaut d'une certaine façon, mais sont aussi très présentes d'une autre façon, mais ne sont pas appliquées. Je vais parler entre autres d'une loi qui m'est chère, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Et je pense que si on l'appliquait correctement, la loi vient suppléer au manque des règles en matière de preuve dans le Code civil, mais ça demande certains efforts, d'abord de lecture, deuxièmement de compréhension et troisièmement d'application devant les tribunaux. Et généralement, lorsqu'il y a une difficulté, c'est assez pour faire achoper. Là, dans ce cas-ci, il y en a 3, peu de chances que ça arrive à court terme. Donc, aujourd'hui, ce que l'on voit devant les tribunaux, c'est le dépôt de courriels en masse. Malheureusement, pire encore, on dépose ces courriels-là en format papier. Ce sont des impressions des courriels qui sont émis. Et pour ça, à cause de ça, on n'est pas capable de voir le contexte de cette information-là et on n'est pas capable de s'interroger sur l'intégrité des courriels qui sont déposés en preuve. Je vais vous donner quelques exemples. Alors que si on s'intéressait à la loi concernant le cadre, on pourrait se pencher sur la notion d'intégrité ou encore, si on voulait produire du papier, sur la notion de transfert et documenter convenablement la façon dont les courriels sont déposés en preuve avec la documentation qui supporte le processus de transfert du format électronique au format papier, ce qui est quelque chose qui malheureusement est rarement fait. La réalité sur le terrain s'attache à des problèmes, selon moi, qui sont processuels
ils sont liés au processus comme tel. Lorsqu'on arrive à procès, le cycle de vie de la preuve tire à sa fin. Et en amont de ce cycle de vie-là, ce qu'on voit, c'est qu'à plusieurs étapes, on aurait eu l'occasion d'aller chercher les documents, entre guillemets, originaux, les documents technologiques, mais un des éléments de la chaîne s'est brisé, on a converti du format électronique au format papier. Pourquoi? Je vais y arriver dans quelques minutes. Donc, la réalité des courriels communiqués en format papier sur le terrain est liée aux diverses étapes qui sont suivies dans le cadre d'un litige, généralement, puis j'en profite pour, comme je le fais régulièrement, blâmer un peu mes confrères et consoeurs. On a tendance à pratiquer comme on pratiquait dans les années 90, puis d'appeler nos clients, puis de dire « Peux-tu m'envoyer les documents pertinents? » Et là, le client, son premier réflexe, c'est de demander à son assistante ou à ses employés d'imprimer et puis de nous envoyer ça par la poste ou à venir nous le déposer dans une boîte. Et à ce moment-là, bien, les avocats sont pris avec le document papier. Souvent, on me dit « Bien là, c'est pas de ma faute, c'est le client qui me l'a envoyé. Je ne peux pas faire autrement que me dire « Ça serait excessivement simple lors de la première communication de dire « Veuillez conserver les documents en format électronique. » Ça fait d'ailleurs écho à une obligation qui a été reconnue finalement au Québec, à savoir l'obligation de préservation. J'en parle depuis belle lurette. J'ai écrit des articles sur le sujet. Et il a fallu qu'on attende la décision Visalus il y a environ 2 ans et demi pour qu'on reconnaisse dans une cause au Québec explicitement l'obligation de préservation des documents dans le cadre d'un litige. Et ça, ce que ça implique en termes technologiques, c'est de s'assurer que les documents ne sont pas altérés. Or, le courriel, comme tout document technologique, est excessivement facile à altérer. Je vais vous en donner un exemple dans quelques minutes. Donc, première étape, puis je vais revenir aux autres étapes tout à l'heure. Si on s'intéresse d'abord à la notion d'intégrité elle-même, dans le monde technologique, la notion d'intégrité est définie par la loi concernant le cadre. Et là, je vous promets, c'est le seul article de loi que je vais présenté in extenso. À l'article 6, et pour nous démontrer comment cet article-là est important, on l'a repris texto dans le Code civil, dans la section de la preuve, on nous dit « L'intégrité du document est assurée lorsqu'il est possible, et j'insiste sur le possible, de vérifier que l'information 1 n'est pas altérée, que 2 elle est maintenue dans son intégralité. » Donc, qu'est-ce que c'est la non-altération? C'est si c'est écrit A, ben ça n'a pas été converti par B. Puis l'intégralité, ben c'est s'il y a 3 pages dans le document original, il doit en avoir encore 3, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 4. Donc, c'est des exemples de ce qu'on entend par la non-altération et l'intégralité. Mais le plus important, c'est l'aspect qu'il soit possible de vérifier. Je vous demande de mettre ça en veilleuse 2 secondes, simplement pour vous dire que la section suivante, je ne m'y attarderai pas, on nous dit que le support qui porte cette information lui procure la stabilité, la pérennité voulue. Il y a une présomption à cet égard-là, ça pourrait faire l'objet de longues discussions, donc je ne m'y attarderai pas indûment. Et je vous demande de noter la mention ici quant à la sécurité de l'information pour s'intéresser à l'intégrité, parce que je vais parler beaucoup de sécurité dans quelques minutes. Avant, la question de possibilité de vérifier si le document est altéré ou s'il est là dans son intégralité. Je vais vous donner un exemple pratique de la raison pour laquelle produire un courriel imprimé rend impossible cette même vérification-là. Et si on dit que c'est impossible, alors l'intégrité du document n'est pas assurée. Et alors là, tout ce qu'on peut faire, et il y a un article plus loin qui nous le dit, c'est de l'utiliser comme commencement de preuve, ce qui est pas mal plus compliqué que d'avoir une belle preuve toute faite entre les mains. Donc, l'exemple pratique que je voulais vous donner est le suivant. J'ai reçu, comme mes copanélistes il y a quelques semaines déjà, un courriel de Vincent Gautret nous disant ce que ça dit. Je vous passe la lecture. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est simplement d'ouvrir le courriel. Il ne semble pas vouloir ouvrir. Ouvrir. Bien fait. Ah, nice. Ah, le voici. Donc, d'ouvrir le courriel et d'utiliser une fonction qui n'est même pas si tant cachée que ça, dans Action, Edit Message. Edit Message, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de faire à peu près n'importe quoi. Et là, je vous donne, là, je vais le fermer évidemment parce que je ne voudrais pas altérer une preuve qui a été créée par Vincent. Je vais plutôt aller dans mon test pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai recréé
le courriel où j'ai ajouté ce que je trouvais qui manquait dans le contrat qu'il me proposait, la considération monétaire de ma présence à cet événement. Écoutez, je trouvais que le cachet était minime, ah ben mais... Nous, on s'en va, mais comme c'est Vincent, j'ai quand même accepté de venir. Et donc, si je prenais ce courriel-là et que je l'imprimais, que j'imprimais la version originale et que je le montrais à un juge, comment est-ce qu'il serait possible de vérifier qu'il y a eu ou non altération? On vient de le voir, c'est impossible. Par contre, là où c'est possible, c'est de la façon suivante. Si on va dans le courriel original, on va voir la date de réception. Ici, je vais chercher une autre métadonnée, qui est la métadonnée modifiée. Et là, c'est tellement loin de moi que je ne vois même pas le date. All mail fields. Modifié. Modified date. Là, ce qu'on va voir apparaître parallèlement à la date et l'heure de réception, c'est la date de modification. Et là, vous ne serez pas surpris de voir que la date de création et la date de modification sont la même parce qu'il n'y a pas eu d'altération. Pourtant, si je vais voir dans ma version modifiée, vous l'aurez compris, la date de modification, c'est aujourd'hui parce que je l'ai faite un petit peu plus tôt aujourd'hui, cette modification-là. Il devient donc possible de vérifier dans ce cas-ci que le document a été altéré. Et donc, tant et aussi longtemps que les documents électroniques, dont le courriel, ne seront pas produits en version électronique, pour moi, ils n'ont aucune valeur juridique et c'est malheureusement le législateur et non pas moi qui le dit. Donc, facilité, aisance d'altérer le document technologique qui, pour moi, justifie l'approche du législateur de créer un contexte beaucoup plus important en termes de procédure, de qu'est-ce que l'on doit démontrer avant de pouvoir accepter en preuve un document. J'en reviens à la présentation. Et je vous donne un exemple ici dans la cause Delaurier-Janson où le juge, il y avait un débat sur les honoraires d'un dossier et l'avocat se retrouvait contre sa cliente et on lui dit « Maître Martinez affirme avec certitude que le paragraphe du courriel que la dame voulait présenter en preuve n'apparaissait pas au document original et a probablement été ajouté par sa cliente. Il produit à ce sujet le courriel qu'il a véritablement reçu et qu'il confirme sa position. » C'est un exemple assez simple où on a mis en contradiction, puis ça devient une question davantage, selon moi, de crédibilité des témoins que de preuves comme telles. Il aurait été relativement aisé de demander à la dame en question « Pourriez-vous nous montrer la version électronique du document? » Comme je l'ai montré tout à l'heure, où on aurait pu conclure, j'allais dire sans l'ombre d'un doute, c'est pas vrai parce que oui, les métadonnées peuvent être altérées elles-mêmes, mais lorsqu'on voit que les gens fonctionnent à la cour avec des documents papier, la sophistication n'étant pas au rendez-vous, les chances qu'il y ait une altération de la métadonnée est relativement mince. Une autre cause, d'un côté, il est clair qu'il importe, ça c'est le cas typique, c'est là où on est capable de remettre en question l'intégrité d'un document technologique, c'est dans un cas aussi béant que celui-là, et vous seriez surpris de voir le nombre de causes comme celle-là qu'on voit au quotidien, l'adresse du destinataire, blablabla, n'est pas du même caractère que le reste du document. Donc là, on a quelqu'un qui essaie d'être sophistiqué technologiquement, mais qui ne l'est suffisamment pas pour faire la différence dans les polices qu'il utilise. Et le juge, à la face même du courriel, dit « ben d'un côté, c'est Arial, puis de l'autre côté, c'est Calibri ou peu importe l'autre police qui a été utilisée. » C'est là où se ramène la vérification de l'intégrité des courriels lorsqu'on se présente devant les tribunaux. Et pour moi, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où il y a un problème d'image et de déconsidération de la justice parce que n'importe qui vit au 21e siècle, généralement ce sont plutôt des gens plus jeunes, vont avoir tendance à se doter d'une preuve ou à créer la preuve de toute pièce et dans beaucoup de dossiers, ça ne ressort pas en preuve. Donc, les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas m'y attarder trop longuement, mais ce sont les propriétés du document.
L'analogie que j'utilise souvent, c'est que la métadonnée est la carte de bibliothèque qu'il y avait à l'entrée à une autre époque, qui nous donne le nom de l'auteur, etc. Dans Outlook, ce sont chacune des diverses colonnes. Et ce que vous avez vu, c'est qu'il y a une myriade d'informations qui s'y retrouvent. Ici, j'en donne un certain nombre d'exemples, mais le dernier onglet qui dit « Custom », est une liste de tous les champs de métadonnées possibles et imaginables qui existent dans un document. Et là, selon si l'organisation ou l'individu utilise des suites de logiciels, ces métadonnées-là vont être publiées. Ça, c'est tout ce qui se retrouve déjà dans le logiciel lui-même de gestion de courriel. Dans ce cas-ci, c'est Outlook. On a encore davantage d'informations sur le disque dur lui-même de l'ordinateur au sein des journaux, sujet dans lequel je n'entrerai pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé des problèmes de processus. Et les problèmes de processus que l'on vit dans le contexte juridique poursuivent le cycle de vie de la preuve. D'abord, la demande des originaux dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, la préservation. Et dans un contexte de préservation, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que le document technologique disparaît rarement. Et donc, lorsqu'on met en place des mécanismes de préservation de la preuve que chaque partie a dans le cadre d'un litige, on doit préserver la preuve qui existe. Et la preuve qui existe, existe non seulement dans l'ordinateur de la personne, mais sur les serveurs de l'organisation, sur les copies de sauvegarde. Donc, cette preuve-là, qui peut être pertinente, doit être préservée. On doit mettre en place des mécanismes pour y arriver. Aux États-Unis, ils sont même plus avancés. Ils sanctionnent les avocats qui ne s'assurent pas de la préservation des preuves par leurs clients. Donc, on est loin de ça ici. Peut-être que ça viendra un jour. L'autre élément, c'est d'aller faire la collecte des documents technologiques eux-mêmes, plutôt que de prendre des documents papier. Là, le bon exemple qu'on a avec le courriel, c'est contrairement aux documents Word, PowerPoint, etc., le courriel peut être recueilli de façon forensique, donc judiciaire, sans expertise particulière. Pourquoi? Parce que les boîtes de courriel sont contenues dans un petit fichier qui s'appelle un fichier PST, et le fait de prendre une copie du fichier PST n'altère pas le contenu lui-même. Donc, en allant chercher sur l'ordinateur un fichier PST, en en faisant une copie vers un autre ordinateur, une clé USB, etc., on est capable d'avoir une preuve qui est intègre et aller jouer dans les courriels, bénéficier évidemment des avantages de pouvoir trier, lancer de la recherche par mots-clés, et de ce fait, pour les juristes et les parties, être beaucoup plus efficace plutôt que d'avoir à passer de façon linéaire, à la mitaine, à travers des liasses de papier pour lire énormément de courriels. Donc, il y a un gain important au niveau de la révision de l'organisation de la documentation technologique. Et ultimement, pour communication à la partie adverse, c'est nettement plus simple d'envoyer, peut-être dans un fichier zippé par courriel ou alors sur une clé USB ou un disque dur portable, chiffré, j'insiste, la preuve que l'on veut communiquer à la partie adverse plutôt que d'imprimer des binders et des binders qu'on va faire livrer par huissier ou qu'on va être obligé d'aller porter en personne. Une autre question qui se pose dans le cadre de la preuve de courriel, c'est qu'est-ce que l'on veut prouver? Et ça, c'est l'autre élément auquel on s'attarde trop peu. Est-ce qu'on veut prouver que le courriel a été envoyé? Est-ce qu'on veut prouver que le courriel a été reçu? Et la bonne nouvelle, c'est que la loi concernant le cadre nous donne des réponses à l'article 31 qui sont très claires. Il y a une présomption de transmission dès lors, et là je vous passe la lecture. En fait, non, ça vaut quasiment la peine. Il y a une présomption lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre. Donc, on bénéficie d'une présomption dans la mesure où on est capable de rencontrer les divers critères de cette présomption-là et de façon relativement simple, ce que ça demande, c'est la production du courriel que vous avez dans votre boîte éléments envoyés. C'est ce que l'article dit de façon beaucoup trop complexe à mon avis. Et le corollaire de ça, c'est qu'il y a une présomption de réception dès lors qu'elle devient accessible de l'autre côté. L'accessibilité va pouvoir être démontrée, entre autres, par la réception d'un accusé de réception, mais je préfère nettement qu'on aille chercher à la source, donc chez l'autre partie, le document technologique qui fait foi de la réception du courriel lui-même. Qu'en est-il de l'authenticité du courriel? Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on nous disait que dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie. Mais le cycle de vie, si on le regarde a priori, c'est lors de sa création lui-même
du courriel. Donc, on doit le sécuriser, s'assurer qu'il n'a pas été ou qu'il ne sera pas altéré par la suite. À l'article 38, on nous parle de l'établissement du lien entre un document et la personne qui l'aurait envoyé. Encore une fois, ce lien-là, on peut le faire à l'aide des métadonnées du courriel natif, du document original. On ne peut pas le faire dans un document imprimé. Et je vous donne quelques exemples pour terminer sur le sujet. La demanderesse ne dispose pas d'une preuve directe. On nous parle ici d'adresse IP pour démontrer que les courriels proviennent effectivement de l'ordinateur utilisé par le défendeur. C'est une chicane conjoint-conjoint. Toutefois, elle affirme qu'il s'agit assurément de lui puisque c'est la même adresse qu'il utilisait au début de leur rencontre pour se communiquer des endroits de rendez-vous ou se transmettre des mots plus agréables, sans doute que celui qui est envoyé dans ce cas-ci. Le juge, sur la foi de ça, nous dit « ben cette preuve est prépondérante ». Mais en même temps qu'il nous dit « elle est prépondérante », il sent le besoin de se justifier un petit peu, il se garde une petite gêne, il dit « d'autant plus qu'elle est corroborée par le témoignage d'un policier. Le contenu de certains courriels ne peut être attribué qu'aux défendeurs, vu leur contenu. Le tribunal prend note que de nombreux appels logés au domicile ont été faits de façon concomitante à l'envoi des courriels. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il admet en preuve, il reconnaît l'émetteur, par des circonstances, plutôt que de le faire, selon moi, de la façon la plus simple, qui lui aurait pris environ une ligne à expliquer, en ayant le courriel original que madame elle-même produisait. Donc, à défaut pour madame d'être capable de produire l'original ou un document ayant la même valeur juridique que l'original, c'est dommage, elle n'aurait pas pu prouver les allégations. Dans un autre dossier tout aussi intéressant, qui nous vient de l'Ontario cette fois-ci, on nous parle de la notion de spoofing et à quel point il est aisé de spoofer une adresse courriel. Il y a de la confusion un petit peu là, dans l'explication de ce que c'est du spoofing. Là, d'un côté, on nous parle du fait de créer une adresse courriel où, par exemple, au lieu d'être dominique.jahar@gmail.com, j'aurais écrit Dominique avec un 0 au lieu d'un O, donc je donne l'impression que ça provient d'une adresse alors que ce n'est pas le cas. Et un petit peu plus loin, on nous parle du spoofing, comme étant plutôt l'usage de la boîte de courriel de la personne en faisant semblant qu'on est elle, en usurpant l'adresse IP, en utilisant des proxys, etc. Donc, une approche beaucoup plus technologique, technique, à l'envoi d'un courriel de la part d'une autre personne sans que cette personne-là en soit réellement l'émetteur. C'est l'autre réalité que l'on voit fréquemment dans le cadre de dossiers d'enquête que l'on fait, où un courriel est allégué envoyé par une personne alors qu'il est assez aisé de faire comme si on était cette personne-là et d'envoyer des courriels de sa part. Pour tous ceux qui ont accès à Google, si vous lancez une recherche, vous allez avoir un paquet d'instructions sur comment envoyer un courriel de la part de quelqu'un d'autre et il ne faut pas être un grand technicien pour y arriver. Donc, je milite pour l'utilisation du courriel en format original, en format électronique, pour qu'il puisse être admis en preuve. Autrement, pour les juristes dans la salle, je vous invite à contester la valeur juridique des preuves qui sont admises. Et bien que ça puisse avoir l'air excessivement technique comme argument, voire dilatoire dans certains cas, je pense que tant et aussi longtemps que les tribunaux ne seront pas là, il y a une déconsidération de l'administration de la justice parce qu'on est capable de faire passer tout et n'importe quoi en preuve au 21e siècle. Sur ces bons mots,